Salut tout le monde, c'est Meshkat. Bienvenue dans ce 10e numéro du calendrier de l'après. Alors aujourd'hui, on va rester un petit peu dans l'année 2017, puisque l'on va s'attaquer à un morceau qui est sorti en fin octobre de cette année-là. Il s'agit de la chanson Walls, interprétée par Selena Gomez. Alors si vous avez déjà vu mes deux vidéos sur les One Direction, sur mon ancienne chaîne, vous êtes au courant que je n'aime pas spécialement Selena Gomez. Hein. Pour moi, c'est juste un gros objet marketing bien commercial, dans la même veine que Ariana Grande, Hilary Duff, etc. Mais je dois reconnaître que quand il s'agit de casser la baraque, elle sait manier à merveille toutes les bonnes recettes afin d'atteindre le succès. La preuve encore ici avec ce morceau Wolves. Je veux dire, le rythme est très entraînant, en plus il y a un petit côté pop électro, merci Marshmello. Et puis quand on a une belle plastique, bah autant en profiter pour se la jouer bomba latina, hein, quitte à passer 90% du clip sous la flotte. Alors on va encore jouer les maîtres tatillons aujourd'hui avec un tout petit passage de cette chanson, mais comme il est dans la partie qui est quasiment la plus explosive du morceau, bah je trouve que c'est important de revenir dessus quand même. Écoutez bien. Non, vous vous rappelez pas ma vidéo sur The Greatest Showman, il y a 2 ans? Oui, je sais, c'est long, 2 ans, ouais. Surtout que c'est le dernier gros sujet que j'ai vraiment fait sur cette chaîne. Allez, faites un petit effort de mémoire. C'est toujours les mêmes foutues notes, c'est une formule qui marche tellement bien, après tout, bah pourquoi s'en priver? Alors oui, vous allez certainement dire que là encore une fois, je joue dans la facilité et que ce cas a été surtout un gros prétexte pour moi afin de vous reparler de ma vidéo sur The Greatest Showman afin de faire un petit peu d'autopromo. Et vous auriez parfaitement raison. Et c'est tout. Non, j'ai rien à dire de plus en fait. Allez, ce 10e numéro du calendrier de l'après est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et puis surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des nouvelles vidéos qui, bien sûr, vont continuer à paraître au rythme de 1 par semaine. Et ce, jusqu'à la fin du mois de mai. Donc on n'a pas fini d'en chier, croyez-moi. D'autant que la semaine prochaine, on va parler de Maître Gims.